T'as cours tout de suite, l'homme au téléphone? Ouais. Ouais, allez, vas-y, range. Emballe tout. Éteins-le. Mets-le dans la poche. À la mamie! Mamie que je connais bien, ça. Ils lui ont balancé des cailloux l'autre jour. Alors, elle est venue me voir. 85, 6 ans, là. Monsieur Mohamed, tu vas où? Alors, tu vas en cours. Alors, vas-y. Tu devrais être rangé depuis longtemps. Moi, j'en ai. Je suis exclu, inclus. Alors, Aminata, semaine du 10-2-11-2. Et tu. Faut le faire signer, hein? Ouais, mais c'est ce soir, quand même. Oui, c'est ce soir. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Retard, non. Oubli matériel scolaire, non. Respect des adultes, bon comportement. Eh ben voilà! Eh ben voilà! C'est bien. Alors je vais mettre un mot dessus. Il est là le stylo. T'inquiète pas, je vais trouver le stylo. Doit poursuivre ses efforts. Ah, oh, je suis contente. Et voilà, et t'es contente en plus! Ah, tu vois que ça coûte rien! Ouais. Ça baigne, comme vous dites. Alors, ça baigne ou ça baigne pas? Ça baigne. Ça baigne. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi, Minata. Attends, madame. Ouais, je l'attends. Tu... Attends, je vais regarder s'il y a quelqu'un dans son... Allez, au téléphone. Ah, ok, ok. Ah, je suis contente de moi, oh là là. La place est libre, Minata. Bonjour, madame. Bonjour, Minata. Je m'assois. Est-ce que je peux m'asseoir, madame, s'il vous plaît? Je t'en prie. Madame, vous avez vu ma fiche de CV? Ils m'ont marqué bien hier, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, j'ai bien. C'est vous très bien. Contente ou quoi? Bah, bien sûr que je suis contente. Bah, voilà. Mais tu sais que je suis contente quand je vois ça. Moi aussi, je suis contente. Oui? J'espère que ça va continuer comme ça. Bah, y a pas de raison. Et vous me dites, hein, si vous avez des choses à rajouter, à 14h30, je reçois une personne, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, je la recevrai. 16h45, donc Sarah, en termes rapides, j'aimerais qu'on lui sauve la peau à cette petite, vu les circonstances, donc le conseil de discipline aura lieu. J'envisage de proposer le sursis, et avec un changement de classe, et le mettre en quatrième. T'y crois pas? J'y crois pas parce que en fait elle cumule trop. Il y a trop de paramètres, trop de soucis qui font que. Alors évidemment, c'est pas la solution, hein, le conseil de discipline l'a renvoyé, hein, mais j'y crois pas. On tente? Bien sûr. Oui, je sais que Madame Petite veut sa peau. Elle l'a dit clairement. Donc il faut que je voie Madame Roux. Ça va? Chez votre médecin, soit. Je vais chez le. Comment dirais-je le. Neurologue. Neurologue, d'accord. Bon, ouais. Alors, je mets le papier. Je voulais vous voir parce que il s'agit de Sarah. Enfin, moi, je vais proposer au conseil de discipline le sursis avec un changement de classe. Hein, vous le savez. En quatrième. En quatrième. Vous êtes professeur. Je suis absolument ravie. Non, mais madame, que vous soyez pas ravie, je le comprends très bien. Alors, ce que je veux pas vis-à-vis de vous, c'est que si vous vous liguez contre elle, je dis vous, madame Roux ou les autres, faire péter un câble à un gamin, tout le monde est capable de lui faire péter un câble. Oui, en 15 secondes. Elle part au quart de tour. Voilà, elle part au quart de tour. Ce qui veut dire que Sarah, si vous avez envie que dans 3 jours, elle se retrouve en conseil de discipline et qu'on lève le sursis. Demain, il y est. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, je vous demande, et je dis bien, je vous demande hein, de faire l'effort. Et vous êtes capable de le faire, madame Roux. Non, mais... Vous me donnez combien, la monsieur principale? Non, mais je vais faire l'effort. Non, mais voilà. Mais je veux dire, il faut pas vous liguer contre cette gamine, parce que si vous la prenez dans le collimateur... Ah, mais j'ai rien contre elle. Non. Bah oui, mais personne n'a rien contre elle, mais tout le monde veut la mettre dehors. Oui, mais j'ai fait au moins 15 rapports sur elle. Mais madame... Je sais. Attendez. Maintenant, j'en fais plus, parce que bon, ça sert plus à rien. Mais bon, bah, si on lui donne encore une chance, mais je pense que vous êtes le bon pasteur, hein.
Ceci se dit, je vais pas faire tout ce que... Non, je vais pas là, essayer attendez, de la virer. Aidez-nous aussi, parce que si oui, vous avez envie que dans deux jours, elle soit en conseil de 10, non, elle mais si sera, elle se tient, si elle se tient, j'ai pas envie, moi j'ai envie qu'elle travaille. C'est une élève intelligente qui m'empêche de travailler avec les autres élèves. Voilà, c'est tout. Mais... Et en tant que professeur principal, je veux dire que elle va souffrir. Non, mais elle doit pas souffrir. Elle doit... Augmentez votre seuil de tolérance, madame. Oh, j'en ai eu beaucoup pour, envers elle, monsieur pour le principal. Pour 15 jours, madame. Jusqu'aux vacances. Mais, non, mais il faut qu'on... Voilà, jusqu'aux vacances. Bon, elle vit, elle en a après le monde entier, du fait de la situation de sa petite sœur. Donc, faisons un effort, collectivement. Merci, madame Moreau. Je n'ai pas dit oui, mais enfin, je vais faire un effort. Si. Bon, yaou. Ah oui, que je vous fasse pas de mal. Ceci dit, monsieur le principal, je suis obligée de partir à 5h30, avant, à 5h30 parce qu'après, j'ai un rendez-vous chez le, pour mes des examens. Ah ben vous n'aurez pas le temps si de voter. Si vous signez pas, vous n'aurez pas le temps de voter alors. Vous n'aurez pas le temps de voter, ben c'est bon alors. Une voix de plus. Bon. À bientôt. Merci. Merci, il n'y a pas de quoi. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben Sarah, je vous exclus du cours. À partir de ce moment-là, j'ai demandé donc à un autre élève d'aller chercher quelqu'un de la vie scolaire. Et Sarah m'a dit, mais elle est folle, celle-là. Donc là, je l'ai reprise. J'ai dit, mais Sarah, c'est de moi que vous parlez. Et Sarah m'a regardée, m'a campée dans les yeux en me disant, oui. Je dis, OK. Pour une élève qui avait très bons résultats, je m'interroge et je m'inquiète surtout. Moi, je tenais d'abord à remercier le papa qui a toujours répondu, je dirais, immédiatement à toutes les demandes de rendez-vous, contacts téléphoniques, etc., etc. Est-ce que vous m'autorisez, monsieur, à parler un peu de votre situation personnelle ou est-ce que vous souhaitez l'exprimer vous-même ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'impasse sur cette situation, monsieur ? Non, je ne veux pas qu'elle joue en sa faveur, non. On ne veut pas qu'il prenne ça en considération, ça n'a rien à voir. C'est un élément important quand même. Oui, je sais. D'accord. À l'heure actuelle, Sarah est en complet décrochage scolaire. Les résultats sont en chute libre. Le relevé de notes du deuxième trimestre comptabilise que 5 notes au-dessus de la moyenne, alors que le relevé du premier trimestre comptabilisait plusieurs 20 sur 20. Sarah n'est plus du tout dans une attitude scolaire. Cette situation est très inquiétante, car elle relève le mal-être de Sarah. Alors moi, je vais te poser une question, Sarah, parce que j'ai vraiment envie de la poser depuis un bon moment. Alors, souhaites-tu rester au collège Henri Longchambon ? Et peux-tu, devant nous tous ici, ton papa et nous tous, prendre, je dirais, un engagement ? Parce que, je retiens un mot de Madame Toth, hein, elle n'est pas la seule, nous sommes inquiets. Hein, je crois qu'autour de la table, il y a des gens inquiets. Sarah. Bah oui, je sais. Mais j'ai pas envie de changer de collège, moi je suis bien là. T'es bien. Et t'es prête à t'engager à quoi alors si tu veux rester à Longchambon ? Bah déjà de repartir à zéro et s'il faut faire des lettres d'excuses au prof à qui je fais des torts, bah je le ferai. Est-ce que tu reconnais qu'on a tout essayé pour te sauver ? Bah oui. Et tu n'as rien voulu entendre. Tu es toujours restée insolente et t'as perturbé les cours. T'as eu des rappels à l'ordre, t'as eu des mots sur le carnet, t'as eu des excuses en cours, ça t'était resté totalement indifférente. Alors, comment peut-on te croire ? C'est ça. Quelque part, comme vous réagissez pas, on sait pas vraiment ce que vous avez entendu, compris de tout ça. On a besoin d'entendre votre voix. Comme j'ai dit, je repars à zéro. J'améliore déjà mon comportement. Bien. Amélioration du comportement. Je me remets au travail. Se remettre au travail. Et se laisser les autres travailler. Et vous laissez les autres travailler. Bah. En classe, qu'est-ce qu'un élève doit faire ou pas faire ? Se taire, écouter. Se taire, écouter quand il demande la parole. Lève le dos. Vous avez envie de le faire ? Oui. Vraiment très envie. Vous allez tout mettre en œuvre. T'accepterais un tutorat ?
Bah oui. Qui c'est à qui on fait un tuto? À qui? Elle est débile. Il leur faut quelqu'un derrière avec le bâton. Ah, pas avec le bâton? Ouais. Non, pas le bâton, pas le bâton. Non. Ouais. La carotte, mais pas le bâton. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme c'est tuteur? Moi, je voulais dire... Il faut nous dire, est-ce qu'on va perdre encore du temps? Tu vas perdre du temps à tout le monde. Il faut nous dire. J'en ai marre, moi. Il faut nous dire. Parce qu'on voit pas, on peut pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Là. Regarde ton papa. Réponds-lui. Il faut nous dire. Mais la vérité, c'est pas la peine de, hein, que demain, on recommence. Si t'as mal quelque part, t'as un problème. Ça n'a rien à voir avec l'école. Si t'es pas bien, tu restes à la maison. Le temps que tu... Oui. Bien. On arrête. Nous allons délibérer. Merci à tout le monde. Il y a une situation quand même familiale assez particulière hein, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Le papa n'a pas voulu en parler parce que vous avez vu ce qu'il a dit. Hein, il ne veut pas se servir de ça pour... Tout à fait. Mais c'était son discours depuis le départ. Voilà. Pour lui, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés énormes. Je dis bien énormes, hein, parce que là, on n'est plus dans des difficultés énormes. Je vais vous donner la journée de ce papa. Ce papa, il se lève à 6h30 le matin. Il lève donc ses enfants, il déjeune avec eux. Bon, il part à l'hôpital voir cette petite jusqu'à 10h30. À 10h30, il rentre. Il se change, il part au travail à 11h. Il rentre du travail à 18h ou 19h, suivant les jours. Il casse la croûte vite fait, je parle sous le contrôle de ma collègue. Il casse la croûte vite fait hein, et repart à l'hôpital jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Il est seul, hein, voilà. Donc moi, je pensais vous proposer comme sanction l'exclusion assortie du sursis. Assieds-toi, Sam. La décision est la suivante, donc... L'exclusion définitive, et nous l'avons assortie du sursis, hein, à la majorité absolue des votants. Si tu fais une autre bêtise grave, on se retrouvera ici, ça prendra moins de 10 minutes, et à ce moment-là, je lèverai ce qu'on appelle le sursis, et la sanction qui a été prise deviendra exécutoire. Mais sache que c'est la dernière perche, il n'y en aura plus d'autres, ça. Moi, le chef d'établissement que tu as en face de toi, si tu dérapes, il ne pourra plus rien. Nouvelle classe, nouvelle équipe pédagogique, une tutrice, une fiche de suivi avec un bilan hebdomadaire. À toi de jouer. Voilà. Il y a d'autres choses à ajouter? Merci. Moi, c'était juste pour une chose, pour la fiche de suivi. Oui. Je crois qu'on ne doit même pas lui laisser... Vous êtes contre? Oui. Donc, on va essayer. C'est encore des chances à faire des comptes. Non, elle n'a plus le droit. Tu viens travailler, tu travailles pas, tu fais le boxon. Tu prends la porte. T'as entendu? Ah oui, mais là, c'est clair, monsieur. Hein, je crois qu'on est là, on est d'accord. Ça ne sert à rien. Tous les matins, après sa cour, perdre. Déjà, l'heure, elle est très courte. Entre l'appel, le machin, et aller courir derrière, à me mettre derrière pour une fiche de rien du tout, t'as pas besoin. Tu te comportes correctement, c'est très très bien. Tu es là, il y a la place pour toi. La rue. Salim. Sidali, Anen, Mélissa, Sakina, Erwin, Inès,
Inès. Le problème, c'est que Inès. Sarah n'est pas là. Guillaume. Bien, je viens exceptionnellement dans votre classe. Bonjour à tout le monde tout d'abord, comme il se doit. Je viens dans la classe parce que vous allez accueillir une nouvelle élève que vous connaissez. Je regrette qu'elle ne soit pas là. Bon, c'est... Alors, je reviendrai une deuxième fois parce que je ne sais pas où elle est passée. Voilà, bon courage. Puis excusez-moi, Madame Rouge, je vous ai pris 7 minutes d'espagnol. Oh, c'est décisif dans la vie d'un élève. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas. Je crois que je commence à 10h. Je veux 10h. Non, parce que moi, j'étais inquiet. J'ai dit, il n'y a pas eu de problème à la maison. Non. Bon, on y va? Bon, ça va? T'es en forme? Ça va bien se passer? Oui. S'il y a quoi que ce soit, si tu tens que la cocotte va exploser, tu viens nous voir. Avant de... Hein? Tu vois ce que je veux dire? Tiens, mais viens là. J'ai avec toi, Sarah, ou pas? En fait, c'est Marine, là. Depuis ce matin, je sais pas ce qu'elle a, elle s'énerve sur moi. Et moi, vu que... Marine, la surveillante? Voilà. Et vu que j'ai pas le droit de m'énerver, je me suis pas énervée. Mais elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, si je veux te faire passer en conseil, je te fais passer tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y avait eu? Dis-moi tout, parce que je connais Marine, hein. Ça fait 3 ans que je travaille avec Marine, hein. Qu'est-ce que t'as fait pour que Marine tienne ce discours? On a fait quoi? On était en train d'attendre Madame Mellet. Là? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a demandé de sortir, elle vous a demandé de sortir. Là, elle nous a dit... Elle attend dehors. Elle nous a dit de nous mettre en rang. Je lui ai dit non, mais on a pas quoi, on attend Madame Mellet. Et elle a commencé à m'a poussé comme ça. Je lui ai dit, c'est pas la peine de me pousser, c'est bon, je peux marcher toute seule. Après, elle a commencé à la faire, ah, tu oses pas le ton, sinon je te fais passer en conséquence, je veux. Mais tu t'en rends pas compte comment tu t'adresses aux adultes, Sarah? Non, mais j'ai bien parlé. Hein. Mais non, pas, ta façon agressive là, de dire oui, hausse pas le ton, etc. Oui, mais madame... Parce qu'il y a trop d'élèves qui prétextent avoir rendez-vous avec Madame Mellet ou avec Madame Rocha. Si bien qu'il y a ici. Oui, il y a 50 élèves qui sont en même temps. Entrez. J'ai ma tutrice. Marine est là? Viens, la tutrice. C'est tout. T'étais au courant, Marine, de ce qui s'est passé? Non. Sarah, vas-y, raconte. Et ben là, on était dans le couloir, on attendait Madame Mellet, comme Madame Mellet nous a dit d'attendre devant son bureau. Et Marine, elle est arrivée, elle a commencé à dire... Elle nous a poussé comme ça, là. Elle nous a dit, allez, dégagez et tout. Après, moi... Attends, elle a dit, cassez-vous. Non, elle a dit sortez. Ah bon, c'est très différent de dire sortez de cassez-vous. Hein. J'ai pas dit cassez-vous. Non, elle a dit sortez. Bon, moi qui. Après. Qui suis sourd. Après, t'as vu, moi je l'ai dit non, mais madame Lane, elle a dit d'attendre. Après, elle a commencé. Je sais pas ce qu'elle a dit. Je sais pas ce que j'ai dit, mais après, elle a dit quoi? Elle a dit ose pas le ton parce que moi je peux te faire un passer en conseil quand je veux. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les couloirs? J'attendais madame Lane. Parce que madame Lane nous a dit d'attendre devant son bureau. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, la tutrice? Est-ce que tu avais un mot de Madame Mellet? Madame Mellet, elle nous a pas dû d'attendre devant son bureau, là. Oui, mais attends. Et il y a une question fondamentale que vient de te poser ta camarade. Est-ce que tu avais un justificatif? Ben non. Un mot ou sous le carnet? Ben non. Donc, tu devais exécuter les ordres de Marine. Marine te dit, tu vas dans la cour, tu vas dans la cour. Non, je t'ai engagé à respecter des règles. Il faut les respecter, c'est tout.
points. C'est elle qui lit, c'est pour vous. Mais je partage pleinement ce qu'elle dit. Non, mais c'est ça, c'est ça. Là, tu te mets en défaut. C'est pas grave, si tu veux, c'est pas grave. Bon, t'as bien fait. Ce qui est positif, tu t'es pas énervé. Ça aurait été il y a 8 jours, t'aurais dit à Marine, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Va te faire foutre? Non. Peut-être pire que ça, d'ailleurs. Là, je suis poli, moi. Mais Sarah, tu sais que t'es sur la sellette. Tu dois te refaire une santé, là. Tu dois te refaire une santé. En plus, tu t'es engagée. Ben, elle avait 3 objectifs. Se tenir correctement hors des cours et dans les couloirs. Alors, 3 objectifs. Et rattraper tu t'auras... Et rattraper son cours d'histoire. Lydia... Sarah. D'accord. Se tenir correctement, ben, je la regardais un peu. Ça va. Ah, se tenir correctement en général. Ouais, en général. Alors, quand tu dis ça va, tu trouves qu'elle... Elle n'a pas eu de mots, elle n'a pas eu d'heure de colle. Tu penses qu'il y a une confiance entre toutes les deux? Il y a une confiance. Et quand je lui explique et tout, elle me dit oui, j'ai compris et tout. Ben, si, elle comprend. Ça l'agace pas que tu... Si, parce que je suis toujours derrière elle, ça l'agace un peu. D'accord. C'est une première pour toi, t'en as déjà fait? Ben, j'en ai déjà fait plusieurs fois. T'en as déjà fait plusieurs fois? Ouais, c'est-à-dire en primaire et maintenant, là, oui. Oui, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est bien, enfin, j'aime bien aider, quoi, les élèves. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors, si t'aimes bien aider? Commissaire. Commissaire? Ouais. Police? Ouais, de police, comme ça. Ah bah voilà. Excuse-moi. Didier? Venez, Martine, venez. Bon, ah mais non, mais non. Ah, je croyais que c'était lui. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, je souffre trop, s'il te plaît, aide-moi, je veux mourir, si tu veux m'aider, mais... Une signature, monsieur Lenné? Ben, regardez, mais c'est pas... Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, aide-moi, s'il te plaît, je souffre trop, c'est épais... Aide-moi, je veux mourir si tu veux. M'aider. Les deux lettres en V. Les deux lettres en vert, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais un D. Oui. Un D ou un P. Mais plutôt un D. Oui. Puis on dirait un K à côté. Oui, c'est D. On a beaucoup de filles qui commencent par K? Eh ben, on a des noms qui commencent par K et on a des noms qui commencent par D. C'est des K, c'est pas PK? Bah, je sais pas, il y en avait qui lisaient DK. Alors, j'essaye de voir, puis je vous dis. Ouais. Hein? Vous lisiez PK. Ben, moi. Mais je pense que le nom de famille. Je pense que le nom de famille, peu importe, c'est K. Ça peut être que K. Est-ce qu'on a des prénoms qui commencent par K? Donc. Khadija. Khadija, oui, là, on en a plusieurs. Hein. Khadija, on en a plusieurs. Tu vois quoi, toi? Moi, je vois un K, mais je sais pas. Alors, un D ou un P? Alors, je rentre avec toi. Hein. Alors, pour mettre deux F, c'est quelqu'un qui écrit bien, quoi. Oui. Parce que elle fait pas de faute, là. Oui. Tu vois? Alors, est-ce que ça serait une petite ou une grande? C'est ça qui m'agace. Attends, j'ai refaire un tour là-bas. D'accord. J'ai refaire un tour. Vous revenez voir? Oh, ouais, je passe vous voir. Parce que c'est quelqu'un qui fait pas de faute, en plus. C'est vrai, vous avez l'œil en plus. Oui.
Exact. Non, très juste, très juste. Donc là, quelqu'un qui ne fait pas de faute, c'est... Mais ce n'est pas une écriture normale. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'écrit cette personne. Oui, mais elle ne fait pas de faute. Donc, je ne sais pas. D'habitude, chez nous, des gens qui ne font pas de faute, il doit y en avoir deux. Donc, on va bien trouver. Non, Va voir. Je vois que tu es tellement curieuse. Tu peux peut-être nous rendre service. C'est laquelle? Ouais, moi. Moi, si je sais, monsieur, je vous le dis. Ben voilà, si tu sais, tu nous le dis. Je veux mourir si tu veux m'aider, mais une croix. Pourquoi? Il y a quelqu'un en détresse ou pas? Oui, ouais, monsieur. Mais en fait, c'est pas écrit en français, ça. C'est en mode un message, SMS. Oui, mais est-ce que la personne, celle qui a mis en vert, est-ce qu'elle a répondu? Ouais. Donc ça veut dire que l'autre... PK, ça veut dire pourquoi. C'est elle a mis pourquoi et elle a mis une croix. Ah, oui, mais alors comment on va savoir qui va l'aider? Ouais, il y a pourquoi. Mais vous savez, vous, c'est qui? Ça, on non, attends, si on savait, on serait pas là tous dans les toilettes à ce moment. Mais monsieur, vérifiez qui rentre dans ces toilettes et je sais pas, le dernier. Attends, qui sort, c'est ça. Attends. Non, mais vérifiez pas, je veux dire rentrez par la personne. Moi, je sais que ça lui a répondu, monsieur, ça lui a dit pourquoi et avec une croix. Oui. En même temps. C'est peut-être pas ce qu'on pensait. Et comment t'expliques le terme mourir? Alors, je veux mourir, je veux de l'aide. Et en plus, bah, écoute, je veux t'aider. Il lui a dit une croix, je veux t'aider, mais pourquoi? Pourquoi tu veux? Mais t'es sûr? Non. Je pense à ça, je l'ai soumis à Madame Melet, elle me dit « Ah oui, effectivement, comme elle a eu... » Elle était... elle a eu une crise de nerfs la dernière fois. Ouais, ah, je sais pas, peut-être que tu... Ça me dit rien, ça me dit rien. Non, mais bon, j'étais peut-être pas piqué, là, attends. Qu'elle dit qu'elle est malheureuse, que ses parents vont la mettre en foyer, etc., etc., donc... Moi, j'ai pensé à elle tout de suite. Bon. Alors, nous, c'est pas quelqu'un auquel on a pensé. Mais on en parlera en point élève, peut-être ouais, que... on en parle en point élève. Que d'autres... Voilà, alors... oui, alors Sarah. Sarah, on a constaté, le hasard a voulu qu'on monte au troisième étage dans la salle de Monsieur Timoumi. Donc, elle avait SVT. Sachant qu'elle a eu une période de points avec son tuteur, hein, très bien hein, la tutrice, hein, la petite là, tu sais qu'elle l'a cadrée. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas assisté à tout, mais bilan pour faire simple, elle est sortie, elle n'est pas allée en cours de SVT. Mais elle était où? Dehors, elle est partie. Donc bah donc. Que tu en fasses. Bah, oui, c'est question.